Bonjour Luc, vous avez remporté la Coupe des Trois l'an dernier, puis après l'avoir échappé l'année d'avant. Ça représente quoi ce titre pour toi? En fait, c'était un titre qui était convoité par le club pendant 2 ans, même 3, je pourrais dire, depuis l'existence de la Détroit. Pour nous, on a réussi. Ça a été quand même difficile après 2 ans d'essai. Mais avec le groupe qu'on avait, vraiment des joueurs qui ont progressé au cours des 2 dernières années avec nous et qui ont vraiment réussi à livrer des performances extraordinaires dans le dernier tiers de la saison, ça nous a permis de nous rendre ce qu'on a été. Après la saison 2015, vous avez perdu votre soulier d'or à Anastropoulos. Cette année, vous perdez Oliveri, qui s'est engagé à Longueuil. Est-ce que c'est un souci pour ton équipe? Comment allez-vous combler ce départ-là? Non, ce n'est pas nécessairement un souci pour nous. Ceux qui nous connaissent très bien savent très bien que le club est bâti sur plusieurs joueurs et non juste un. On est habitué à ce que les joueurs arrivent et partent et c'est jamais. On gagne malgré leur départ. Donc, ça ne change pas grand-chose pour nous. On va avoir un groupe extrêmement solide, aussi bon que l'an passé, sinon meilleur. On a des nouveaux joueurs qui sont arrivés de très haut niveau, donc on n'a aucun problème pour l'an prochain. Alors, ta saison 2017, tu l'entrevois comment? Bien, il y a encore un seul objectif pour nous, c'est le championnat. C'est clair pour nous, ça a toujours été l'objectif depuis les dernières années. Et les joueurs sont au courant, on les a tous rencontrés déjà. Tout le monde est déjà concentré sur cet objectif. Merci. Merci.